on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo facecam, mais notamment une vidéo unboxing. Alors les vidéos unboxing, je n'en ai jamais fait sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait en faire une, parce que comme vous le savez, ça a été Noël. Et le cadeau de Noël, ce qui est d'ailleurs un gros cadeau de Noël que j'ai commandé, ça a coûté quand même assez cher. Donc c'est quelque chose de plus de 130 euros. Il coûte 130 euros, 140 euros, quelque chose comme ça. Merci à ma famille de m'avoir offert ce cadeau. C'est quelque chose dont je voulais avoir quand même depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire que ça fait partie du matos, ça fait partie notamment aussi du setup. C'est un siège gaming. Comme vous le voyez à chaque fois, mes vidéos facecam, mes vidéos où je suis assis, je suis souvent assis sur un banc et j'ai pas de dossier, j'ai rien. Et bientôt je vais avoir une Play et je vais pouvoir jouer sur PC. En janvier, je vais avoir un PC, ça va être une tour, voilà. Et je vais aussi avoir une Play en mars ou en février, je sais plus trop. On verra de ça et je vais bientôt faire des vidéos sur Play. Pour l'instant, depuis le début de la chaîne, j'ai toujours fait des vidéos sur mobile. J'ai aussi fait des vidéos concept comme ça, etc. Mais j'ai toujours fait les jeux sur mobile. Bientôt, je vais avoir une Play. Et petit à petit, en économisant, en travaillant, en gagnant de l'argent, je vais pouvoir me faire tout un matos, tout un setup, comme on dit. Le premier truc de setup que j'avais eu, c'était mon bureau, les gars. J'avais reçu ma télé en début d'année 2021. Et là, on va passer en 2022. Et aujourd'hui, comme cadeau de Noël que j'ai eu, c'est un siège gaming, voilà. Un siège gaming dont il y aura un dossier, un coussin, des trucs pour poser les mains, peinard pour jouer aux jeux vidéo, pour faire des vidéos, etc. Petit à petit, les choses s'améliorent, petit à petit. Mon setup dont j'ai envie de créer, parce que c'est ma passion, le gaming, YouTube, les vidéos, les concepts, un peu dans ce monde-là, c'est un peu ma passion. Donc j'ai décidé petit à petit d'améliorer mon setup. Et là, on a une nouvelle chose qui va s'accompagner, ça va être un siège gaming. Mon siège gaming qui est juste derrière, il est en bas, il est derrière, juste en bas de ma fenêtre. C'est un colis, je l'ai reçu hier. Mon siège gaming, je l'ai reçu hier après-midi. Voilà, c'est un gros colis, il n'est pas encore monté, il est dans un carton. Et voilà les gars, et donc cette vidéo unboxing, voilà, c'est ce concept qui consiste à cette vidéo, un unboxing. On va monter le siège gaming en vidéo. Mais je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à monter, mais après je vais pas tout monter en vidéo parce que j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 4 heures. Je vous montrerai aussi quand il sera fini de monter, je m'assierai dessus, on verra un peu ce que ça donne. Je vous le montrerai avant, après, et voilà, je vais vous montrer tout de suite les gars comment c'est. Et petit à petit on va le monter, et je vais vous montrer ce que ça donne. On l'a commandé sur internet à 130 euros, et les frais sont gratuits, les frais de déplacement sont gratuits, les frais de livraison, je sais pas quoi, et voilà. Le siège gaming va être vert, c'est la seule chose dont je peux vous dire, mais après je ne vous spoile pas plus, vous verrez tout ça, vous verrez comment sera le siège gaming dans l'unboxing. Sur ce les gars, je vais vous montrer un peu le avant-après, je vais aussi vous montrer le colis qui est juste derrière. Comme vous le voyez les gars, je suis toujours assis sur un tabouret, je sais pas comment ça peut s'appeler, voilà un tabouret, c'est là en général où je m'assois. Et ici, c'est là où je fais les vidéos. Donc là, comme vous le voyez, je place en général ma caméra comme ça et je fais les vidéos comme ça. Et donc, je suis souvent assis là-dessus. Et là, le colis qui est juste derrière ici, comme vous voyez ma fenêtre, donc dans le retour de cam derrière moi. J'ai pas de déco, j'ai pas prévu de déco, mais voilà. Et ici, le colis qui est juste là en bas. Je vous montre un peu comment ça tue. Hein. Le siège, il va être comme ça. C'est classe, hein. C'est vraiment stylé. C'est pour ça notamment que j'en veux un de... C'est pour ça notamment que j'en ai toujours voulu un. Chaise bureau, donc couleur noir ou vert. Je crois qu'on a choisi l'option vert. Mais apparemment, enfin bref, on verra. Donc on va l'ouvrir les gars, on va regarder un peu comment c'est. Et petit à petit je vais montrer, je vais pas tout monter en vidéo. À part si on fait en rapide. Mais je vais vous montrer un peu tout ce qu'on fait là. Donc voilà, ça c'est le colis, on va l'ouvrir directement. Là les gars, j'ai placé ma cam d'une autre façon. Donc là on voit ma petite déco là-bas. Donc j'ai fait ma petite déco, c'était un nouveau placard d'ailleurs que j'ai eu. Et c'est moi qui ai monté le placard. C'est là toute ma déco, mais que je vous montrerai plus tard. Voilà à quoi ressemble un peu mon setup. Bon, faites pas attention, il y a ma trousse, parce qu'en ce moment, je travaille là-bas. Là, je vais vous montrer mon siège gaming que j'ai reçu. On va directement l'ouvrir. Si on voit légèrement le colis, hop, comme ça, on enlève le scotch. J'ai changé l'emplacement de caméra, je l'ai mis comme ça. Peut-être il y a des chances qu'on voyait plus, je sais pas. C'est juste pour que vous voyez mieux, c'est tout. Ah ouais, ça tue.
le petit coussin, le truc pour les roulettes. Je sais pas, c'est peut-être un deuxième coussin. C'est marqué gaming chair. Et ça, c'est pour poser le bras. Je fais un petit coupage. Je termine de tout sortir les objets contenant pour monter le siège gaming. Et après, je vous montre tout sur ce Lego tout de suite. Ok les gars, on se retrouve quelques minutes plus tard. Je viens de tout déballer. Maintenant, tout est là. Tous les matériaux sont là. Je vous montre un petit peu. Il y a le dossier, voilà, qui est joli. En plus, c'est vert. Hein, c'est de la belle couleur. Ici, voilà, c'est là où on s'assoit. Et ici, c'est les coussins. Donc, les coussins. Le truc roulant, là, ce qui fait que ça va rouler. Les trucs où on pose nos bras. Et ici, je ne sais pas encore pourquoi il y a ça, mais ça doit être des petits matériaux pour le réglage du siège. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est la notice, c'est pour le montage du siège. Et normalement, on devrait y arriver. Normalement, ça doit être comme ça, là, à la fin, il devrait être comme ça, le siège. Sur ce, les gars, ben, c'est parti. Voilà les gars, j'ai fini de monter mon siège gaming. Ça a pris, je sais pas, une petite trentaine de minutes. Mais encore, ça allait, je vais vous le montrer directement. La marque, c'est CMG. Je vous le montre tout de suite, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à le voir? 3, 2, 1. Voilà, les gars. Est-ce que ça rend pas bien, ça? J'ai replacé la caméra, comme ça, vous pouvez le voir en entier. Voilà comment il est. Je le trouve super classe. Et en plus, le verre, il est super joli. Franchement, c'est vraiment pas mal. La vue de derrière, elle est comme ça. Il peut tourner, il peut rouler, voilà, et vraiment c'est pas mal. Ça c'est le petit coussin qui est bien mou et bien confortable. Quand on est petit comme moi, on le met comme ça, et si on est plus grand, on le met comme ça, voilà. Et pour ça, bah ça je crois que je n'avais pas bien compris à quoi ça servait, mais je crois que ça sert à pouvoir se maintenir droit. Bon, non seulement ça fait joli, et en plus, quand on s'assoit, ça permet d'être droit. Je vais m'asseoir dessus pour directement vous montrer. Voilà les gars, ça rend comme ça. C'est plutôt pas mal. Ça dépasse ma tête, limite ça dépasse ma tête. On peut faire des réglages, alors si on veut, on peut mettre comme ça. Voilà, moi je le mets droit. On peut faire le réglage du dossier, ça veut dire qu'on peut le baisser en arrière au KLM, comme ça au calme. On peut le remonter en avant. Hop, comme ça, ou hop, bon là je suis un peu trop en avant, hop, on peut régler la hauteur, je vais mettre plus loin pour que vous puissiez voir, ça veut dire que grâce à ça, on peut augmenter la hauteur, là par exemple je suis à la hauteur max, là par exemple mes pieds ne touchent pas par terre, si je veux le rebaisser, voilà, je le mets comme ça si je veux le rebaisser. Voilà, vraiment c'est plutôt pas mal. Ça tourne, on peut rouler, ça veut dire qu'on peut aller n'importe où. C'est assez stylé quand on est assis, ça tourne. Et vraiment, c'est vraiment pas mal les gars, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas mal. Dites-moi si vous aimez, si vous le trouvez classe, si vous le trouvez joli. Moi en tout cas, je suis très content de ce nouveau siège. Voilà, ça c'est les roulettes. C'est vraiment, elles sont stylées, elles sont vertes aussi, comme ça, ça accompagne le vert, et le vert, et le vert. Et ça, je pense que ça sert à se maintenir droit. Il y a le petit coussin, qui est vraiment assez agréable. Genre, s'il est en haut, il est un peu trop. Ça, c'est quand on est grand, et on le met comme ça, là, pour quand on n'est pas très grand, comme moi, voilà. Et vraiment, c'est pas mal. Est-ce que vous aimez bien les trucs comme ça, regarde? Regardez la vue, comment ça rend. Ouah, ça tourne vite. Ouah. J'ai pris une petite trentaine de minutes pour le monter. Et en vrai, c'est allé. J'ai plutôt bien réussi. Il y avait des trucs à visser. À l'aide de ça, on a pu visser. Voilà. Enfin bref, je vais tout dire. C'est un super siège gaming, les gars. Vraiment, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Et maintenant, c'est le siège que vous verrez à chaque fois quand je ferai des vidéos facecam, etc. À part quand je suis chez ma mère, mais là, ma chambre, voilà. Je serai toujours sur ce siège gaming vert. En plus, le vert, j'ai fait exprès de prendre vert parce que ça va avec ma chambre.
Comme vous l'avez toujours vu, ma chambre est verte. Les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo unboxing où je monte mon siège gaming, où j'ouvre et je déballe mon petit colis de mon siège gaming. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo comme ça. D'ailleurs, on n'avait jamais fait d'unboxing sur la chaîne, donc ça tombe bien. Mais les gars, vous voyez pas, ça fait un peu bizarre. Genre, j'ai tellement pas l'habitude. Avant, je devais me faire chier à me mettre ici pour pas que vous receviez pour pas que la caméra reçoive la lumière du soleil. Tellement ça éblouissait le champ. Là, limite ça cache tout et ça fait super joli. Franchement les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et oui les gars, on augmente en vitesse, objectif 300 abonnés. Là, voilà. Et puis voilà les gars, je vous souhaite une bonne année 2022 les gars. Meilleurs vœux, bonne santé, etc. Bref, je l'avais déjà dit dans la vidéo. Vraiment les gars, je vous souhaite une bonne continuation. Partagez la vidéo, voilà les gars, si vous aimeriez bien avoir un siège gaming, dites-moi tout dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous aimez bien. Voilà. Et comme je vous l'avais dit, en fait, ce qui est gênant, c'est l'échelle ici. C'est que ça me gêne un petit peu parce que je peux pas trop me mettre à droite. Je suis obligée de me mettre légèrement à gauche. Comme ça, où je peux limite me décaler à droite, sauf que je suis obligée de me mettre tout près. Et plus tard, au futur, quand je jouerai à la Play sur PC, je serai vraiment trop près, trop serré en fait, c'est ça le problème. Ici, là, quand je suis comme ça pour travailler, là, à la limite, ça va, mais quand je vais jouer aux jeux vidéo, ce sera trop... Là, comme vous voyez, j'ai une télé, ce sera trop comme ça, donc on va légèrement décaler l'échelle plus en arrière. Bref, les gars, je vous souhaite une bonne continuation. Sur ce, les gars, bye bye!